Et un splatfest sur Mitomo, qui n'en a pas rêvé honnêtement? Toutes les nuits, moi je me disais, et s'il faisait un splatfest qui dépasserait encore le splatfest pizza avec ananas ou pizza sans ananas? Ils l'ont fait avec Mitomo, soirée habillée, ou je sais même plus quoi. Salut à toutes et à tous, ici Mimitem, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Splatoon. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Splatoon. Vous allez le voir à mon niveau, voilà, niveau 24, c'est magnifique. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas que je pue, c'est pas que je joue vraiment plus du tout au jeu depuis 15 mois, même si c'est... pas loin de ça, c'est juste que je fais que des sessions entre amis, donc forcément bah je me fais avoir vu que j'ai pas de points d'expérience. Aujourd'hui on fait une session abonnée parce que vous avez été beaucoup à me le réclamer sur Twitter. Je vous accorde cette petite soirée en votre compagnie et on y va tout de suite. Oh, je me fais couper la chic. Bah oui, j'étais en train de préparer le serveur, mais forcément à 20h il y a les stages qui tournent. C'est pas grave, autant pour moi. Au moins on va voir quels seront les nouveaux stages. Désolé, j'ai bingué le micro. Avec la caméra, c'est un peu compliqué parce que je sais pas comment zoomer. Donc j'ai été obligé de faire un truc un peu chelou, donc j'ai un peu mes pattes dans le micro. Oui, bah oui, c'est pas comme si tu m'avais déjà fait toute une annonce. Station 12 Brise, j'aime beaucoup. Carrière Caviar. Je crois que je l'ai jamais faite. Très bien. Les matchs pro, Centra Rowana, ouais, j'aime bien. Mine Marine, ok, ça je connais. C'est les vieux stages. Ceux de la sortie du jeu, tout simplement, d'ailleurs. Mais ça, on s'en fout. On retourne tout de suite dans le truc, dans le hub. On va pouvoir se mettre sur la gueule. Voilà, on y est. Je vais tweeter, même si je crois que j'aurai pas le temps. Je suis sur Splatoon. Viens me rejoindre. Oh, quelle tape de vitesse. Et je crois que quand le tweet sera envoyé, il y aura déjà plus de place. Et c'est toujours les mêmes. Pokéluffy qui est de retour pour me jouer sûrement un mauvais tour. Lulu, Siexu, j'ai jamais su dire ton nom. Je sais que je te connais déjà. Kiki, ça me dit quelque chose. Gamer Vivi, bien sûr. Tetsu, Vector96, ça me dit un peu moins. Et SMTOML, oui, lui, c'est un pseudo que j'ai toujours du mal à dire. La Super Mario, je sais pas quoi, etc. Bon, bah, que des anciens, mais que voulez-vous? En même temps, ma liste d'amis est pleine, donc c'est compliqué. Je vais faire une guerre de territoire toute bête. Ah oui, mais je suis con, de toute façon, je choisis mes trucs. Bon, on va faire carrière caviar, je la connais pas, ça va être drôle. Composer les équipes. Allez, je fais pas de favoritisme. Hop! Personne ne sait, je suis avec qui? Kiki, SMTO et Tetsu. Je crois que Gamer Vivi, il est bon, hein. Et Pokéluffy, ça me dit bien aussi, donc je crois que on est peut-être comme des cons. Merde, ils m'attendent. On est peut-être comme des cons, et je sais même pas, j'ai pris quoi comme arme, je sais même pas. J'ai rien pris. S'il faut, je vais peindre avec mes doigts. Allez, Gamer Vivi. Ouais, c'est bon. Tu peux le faire. Carrière caviar. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment quand même que j'ai pas touché à ce plateau. En même temps, j'ai tellement de vidéos à faire que il faut... Oh ouais, je le connais pas. Que voilà, j'ai des petits soucis pour jouer à Splatoon tranquillou. Bah, surtout qu'il y a d'autres jeux qui sortent en même temps, donc voilà, même si on n'aura pas beaucoup là prochainement. Qu'est-ce que j'ai? Le saut, je me suis dit, au début je commençais à tirer puis je voyais que ça faisait rien, je me suis dit mais non, mais j'ai vraiment rien, ou comment ça se passe? Alors là les gars, joli, merci, je vous suis. Je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe dans cette map. Alors là, ça m'a l'air d'être un coin qui peut être stratégique à la fin. Allez, on recoupe de peinture. C'est quoi ce petit bureau là? Ce petit bureau carrément dérobé. Ah, on peut en foutre aussi sur... Et je pense que... Est-ce que ça compte les points sur le tapis roulant? Si oui, ça ce serait cool, parce que ça veut dire que... En plus, l'ennemi le voit pas forcément, et nous, on peut rouler assez vite dessus. Comment ça se passe pour l'instant? Parce que je connais pas du tout la map. J'ai le Kraken. Ah merde! Moi qui aime pas le Kraken. Bon bah désolé, les gars. Yaaah! J'arrive, je t'ai vu! Je sais que tu es là! Bon, je m'en vais parce que je sais très bien que ça va pas durer, mon truc. Merde, merde. Yaaah! Non!
Non. Oh putain. Ouais, ils étaient à deux là sur la fin. Non mais bon. Ok, la fille a pris la même arme que moi, le sauceur. Alors je sais pas si c'est exactement la même version ou quoi. Mais de toute façon, il le gère sûrement mieux que moi. Parce que le grand poulpe, il était peut-être grand à un moment, mais maintenant là, c'est devenu un petit poulpe. Ou alors il a bien vieilli. C'est le vieux poulpe maintenant. Le vieux poulpe, vous savez qu'il comprend plus grand-chose aux technologies modernes, etc. Bon alors, qu'est-ce qui se passe par là? J'ai même pas vu où était leur base. Bon, on peut pas grimper par là. Oh merde, je l'avais pas vu. Oh, allez. Non, mais non. Ah bah quand même, je me suis dit, attends, il est devant mes yeux, j'arrive pas à l'avoir, ce serait la loose quand même. Yes. Ah merde, dommage. Non, il y a un mec. Non. Oh putain, je sais pas où il est, il doit être vers la gauche là, il a dû monter, ou je sais pas trop. Peut-être passer par là, ouais, ça pue pour moi. Avec le sauceur, je peux pas faire des miracles. Comment ça se passe pour l'instant? Je pense que les roses nous dominent. Par ici qui dit... Bah ouais, mais moi pour l'instant j'essaye de redonner un peu de couleur, fraîche de printemps, verte à la map. Bon, ici ça va, on n'était pas trop mal, le tapis roulant est à peu près bon, la pression c'est pas bon du tout, on va repeindre. Désolé, je vais pas faire de corps à corps aujourd'hui, enfin aujourd'hui peut-être plus tard, mais là avec le sauceur, je crois pas que ce soit le... Oh purée, bien joué, j'ai pas vu qui c'était, là il y en a un, je t'ai vu, non. Ah, oh purée. Oui. C'est vrai, une vieille confrontation, le vieux chat et la souris. Tetsu, il est avec moi, hein, ouais. Le vieux chat et la souris, et c'est le grand poulpe. Enfin, le vieux poulpe. Il faut que je mérite à nouveau. Oh, purée. Ah ouais, ils étaient trois, d'accord. Il y en a un qui a m'a acheté une bombe. Deux autres qui étaient sur la parallèle gauche. Je parle comme un pro, genre, la parallèle, c'est la première fois que je fais la map, et ça, je la connais par cœur. Bordel, c'est déjà la fin. Bah, on va essayer de... Non. L'échappatoire le plus pourri de la Terre. Ah bon, j'ai chaud. Ah, en plus, je suis toujours... C'est la journée de quand j'ai tourné Project Zero, là, où ça m'a... J'ai eu des soucis de matos et tout, et on s'est fait défoncer. C'est quoi ça, l'équipe? C'est sûrement à cause de moi. Parce que j'ai dû faire un score. Je suis deuxième. SM 379 points. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as passé l'arme à gauche? Alors, on est toujours avec les mêmes. Je pense qu'ils vont pas laisser leur place aussi facilement. S'il faut, quand ça fera 30 minutes, je vais essayer de faire une heure. Bon, on va changer quand même, hein. Tentatech Studio. Je sais pas, je crois que je l'ai pas fait. Ou alors ça me dit rien. Peut-être qu'à 30 minutes de vidéo, je vais couper et puis j'irai relancer un serveur. Comme ça, peut-être qu'il y aura des nouvelles têtes. Mais ça, c'est pas dit quand même, hein. Parce que les gens, une fois qu'ils y sont, je pense qu'ils veulent pas lâcher leur place, ils veulent faire la peau au vieux poulpe. Et puis je les comprends. Et bienvenue dans Tentatech Studio. Si, je l'ai déjà fait. Si, je l'ai déjà fait en vidéo. Ou en tout cas, je l'ai déjà vu. Parce que j'y avais joué, c'était avec mon ami Crayo, je crois. Il était pas dans la map, mais on était ensemble. Alors, je sais plus du tout quand on a joué à Splatoon ensemble. Dans la même pièce, mais si, ça me parle ce stage. Hein, avec le tapis roulant en haut, là, et tout, là. Ah non. Ah non, remarque, non. Ah non, s'il faut, je l'ai même pas fait, celui-là. Remarque, s'il fait partie... Oh là, un truc avec des... Oh putain, j'ai fait le con. Allez, un au moins, oui. Ah oh, purée, j'ai eu le... Ah, j'ai mal géré. Mais au moins, j'ai eu le poké, la fille. Je suis content. Ils doivent avoir tous des stats de dingue. Et moi, j'arrive avec mon costume. Je suis même pas sûr d'avoir toutes les améliorations pour mes costumes. Mais bon, que voulez-vous. Hop, non, j'ai jamais fait ça. Un système avec les... Là, clairement, il y a quelqu'un qui va m'en vouloir. Non, oui, peut-être. Un autre jour. J'ai jamais fait ce système de ventilo qui fait monter. Putain, je me suis dit, c'est quoi ce truc qui m'arrive dessus? Tu l'as eu? Non, oui. Oh, ça c'est GG. Non, purée. Ah, j'ai du mal. Et là, ils vont se dire, oh, mais putain, oh, tu fais le Kraken alors que t'as toujours craché dessus et tout. Bah ouais, mais j'y peux trop rien, moi, en fait. Par ici. Bah, dis-moi. Dis-moi. Dis-moi par ici, mais montre-moi la voie. Ah oui, d'accord. Ah, merde. Ah, les cons. Ah, ils nous empêchent d'accéder. Ah, c'est pas mal, ça. Ah merde, mais c'est moi en plus qui fait le con. Oh yes, merci. Merci à mon allié. Franchement, il m'a grave sauvé là. On va monter un peu, histoire de prendre peut-être l'ascendant sur l'équipe. Enfin, sur l'équipe adverse, hein, bien sûr, hein, pas sur la mienne. Attention.
Oui! Oh là 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 là, ce sauvetage! J'ai envie de me dire joli, mais je sais que je vais dire par ici parce que je sais jamais dans quel sens c'est. Allez, on tente. Par ici, bah oui! Et après, il va me suivre, il va croire que j'ai un plan de dingue. Alors qu'en fait, le vieux poulpe, il est complètement sénile. Hop, purée! Non! Ah, j'ai fait le con. J'ai vu le petit objet rotatif là qui envoie de la peinture, j'ai cru que c'était un joueur. Je me suis concentré dessus alors que ça servait strictement à rien. J'ai eu un regard vers le micro, je me suis dit, est-ce que je l'ai pas cogné? Que ça me fasse pas comme la dernière fois où j'ai perdu une vidéo de Splatoon à cause d'un... Oh là, par contre là, ouais. On reprend un petit peu quand même les gars, ça fait des petits points ça. C'est pas énorme mais bon, est-ce qu'on gagne? Non, on gagne pas, je ferais peut-être mieux de... Oh. Peut-être mieux de partir au combat, on va faire ça un petit coup. On va essayer d'avoir surtout le Kraken, ce serait pas mal. Vite. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Boum. C'est good. Allez là, il faut que je repeigne un peu, même si le Kraken c'est un peu pourri pour repeindre, c'est mieux pour faire des kills. Attention. Non. Oui. Oh là là, tu as liquidé Lulu Exu. C'est un pseudo qui me sonne asiatique, je sais pas pourquoi. Oh purée. Attention, oui, merci. Ah ça c'est beau. Il se concentrait sur moi, sur le vieux poulpe, alors qu'en fait, l'ennemi était derrière. Elle était belle. Oh purée, là ils vont essayer de nous la mettre. Attention, oui c'est good. Non, ils veulent le vieux poulpe. Ah merde, j'avais plus de... On a gagné. Ah, c'est tendu. Ah, c'est tendu. Ah, j'ai envie de dire que peut-être on l'a... Oui. Oh, de 4%, 3,6%. 4%, non, 3,6%. Faut faire travailler les matchs, Lily. C'est pas mon point fort. Troisième, mais 1105 points. Bon, même s'il y a les 300 points de victoire, hein, comme à chaque fois. Au sauceur, franchement, je pense que c'est pas mal. Et je peux pas changer mes armes, là, hein, si. All. Si je fais all, je suis mort, hein, je crois. Tentatec, Galerie Goupy, tiens. Celui-là, je sais que je l'ai fait, par contre. Et je peux pas changer d'arme, si. Il me semble que si. Quand est-ce qu'on peut... Personnalisation. Et ça, c'est il devrait le mettre en online, ça. Je vais changer du sauceur, parce que... Bon, non pas que ce soit une mauvaise arme, loin de là... non, je voulais afficher, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, je vais prendre ça, ça m'ira bien. Ah non, il me manque juste le corps, pour avoir une amélioration en plus. Ils m'attendent peut-être. Je dis oui. Je lisais un peu vos messages sur Twitter, j'ai lu « Youpi, j'y suis !» Apparemment, dans les 10 premières secondes, chez tout le monde, ça a bloqué, c'était déjà plein, je suis désolé. C'est pas ma faute, hein, je sais qu'il y en a aussi qui... Ah merde, j'étais en train de faire au sauceur, j'étais comme ça, pout pout pout. Alors que non, maintenant il va falloir que je reste appuyé. Cette map, je la connais pas trop en plus. Ah si ça va quand même. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, il y en a beaucoup qui disent, ah, j'étais pas en ami, est-ce que tu peux me rajouter, etc. Mais moi, c'est pas que je veux pas, mais c'est que sinon, je passe ma vie à ça, parce que j'ai déjà 100 amis. Enfin, j'en ai genre 98, mais je gardais une place, je crois, pour quelqu'un en particulier. J'ai quand même le droit. Mine de rien, faut quand même que j'aie mes vrais amis dedans. Et sauf que voilà, j'ai que 100 places. Donc les gens qui veulent jouer avec moi, et c'est vrai qu'en plus j'avais fait une session où je prenais des gens. Et finalement, j'avais pas fait beaucoup de sessions par la suite. C'est pour ça que j'ai pas rechangé direct là pour cette session. Sinon je fais que ça quoi, je suis à chaque fois obligé de regarder. Alors lui il s'est pas connecté depuis genre 10 jours sur sa Wii U, ça va. Alors d'autres qui sont... Oh, d'autres qui sont pas connectés depuis un mois, eux par contre je les vire parce que bon ça veut dire qu'ils jouent pas régulièrement. Donc je fais ça mais bon, ça me prend beaucoup de temps mine de rien et puis après faut que j'ajoute les gens. Et puis il faut encore qu'ils aient vraiment le jeu. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh. Oh, 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 oh il m'a pu. Poil au cul. Il croyait que j'étais parti. Mais non, le grand poulpe était là. Non, pour l'instant, le vieux poulpe. Oh là 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 là. Le vieux poulpe reprend des réflexes, là. Rien ne va plus. Faudrait peut-être que je fasse ma tornade tant que j'en ai encore le temps. On les défonce. Oh non, 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 non. Oh l'enfoiré, on dirait qu'il a fait exprès. Mon petit Tetsu. Ah bah t'es mort. Ou alors t'as bugué dans notre peinture. Ah purée, on a envoyé tous les deux un missile tornade. Bah, bon, je l'ai pas envoyé sur lui, mais... On va passer par là, on va essayer de repeindre un peu vers le haut là, ça c'est pas mal. Hop. On va pas y aller tout de suite, on va analyser un peu où sont les mecs. Ouh, il est lui, il est là-bas, il m'a vu. En même temps, je comprends, il va où? Ah, il est monté au-dessus, ouais, ça peut être pas mal, j'espère qu'il l'a eu. Moi je vais foncer de l'autre côté. On va aller vers chez eux. Alors même si, je sais jamais, ah oui, il faut grimper là-dessus. Alors attention à ça. Oh purée, il doit y en avoir un mec pas loin là. Non, il est pas là. Oh merde! Oh purée, je suis bourré. Ça y est. Le vieux poulpe bourré. Bon, ça dégage. Déjà, ça dégage. Putain, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était un ennemi. Bon, attendez. J'envoie ça chez eux.
Ah purée, c'est bon, j'ai réussi. Oh, il était où? Ah, le petit Vector, là, il était... Ah, il est chez nous, hein. Il est chez nous et personne va le... va l'avoir, je l'ai vu. Il est là-bas. Est-ce que je peux tenter un truc? Je sais pas trop où il est. Mais... oui! Oh là là! Et là, maintenant, mon heure de gloire a sonné. On repeint tout! Tout ce qu'il a repeint, plus ou moins, parce que le... voilà, c'est la fin, c'est la fin. Go, go, go! Poil au gigot. En bas, là, vite fait, c'est pas trop mal. Là-dessus, non, ça fait pas de points. Ah, je pense qu'on est bon. Oh là là, on est large. Alors, j'ai pas vu si ça avait changé les équipes. Je crois que je suis avec Pokéluffy. Lui, j'avais dit que c'était un bon, hein, le Pokéluffy. Non pas que je dis que vous êtes mauvais, les autres. Hein. Moi-même, je pense que je suis le plus nul de la session. Je suis avec Gamer Vivi. Lui, il est bon. Gamer Vivi, je sais qu'il est très bon. La preuve, 1455. Pokéluffy aussi. Ah, SM, c'est peut-être... c'est peut-être le moins expérimenté apparemment, ou alors c'est peut-être son arme aussi, peut-être qu'il est sur un système où il veut kill les ennemis plutôt que de repeindre et laisser les autres le faire, c'est fort possible hein, lotissement filament, tiens j'aime bien, c'est fort possible, après chacun sa stratégie, moi c'est vrai que mon plaisir c'est de recouvrir, et éventuellement d'en mettre une partie par là quoi, de kill, mais oui je suis prêt. Mais franchement, ce que je préfère, c'est repeindre, vraiment, regarder la base, où est-ce qu'on en est, qui a l'avantage, et essayer de repeindre, éliminer un ennemi pour repeindre la zone qu'il était en train d'obtenir, etc. Je pense que c'est... chacun sa stratégie après. Moi, en tout cas, je suis plus comme ça, je suis plus recouvrir, c'est pour ça que je prends des armes avec des grosses cadences, généralement. Le sauceur, je sais pas, ça vient d'une d'une session où j'étais un peu filou, je me suis dit, oh putain, je vais tenter un truc de dingue avec le sauceur, et j'ai dû me rater. Même si j'étais pas trop mal au sauceur, juste qu'il fallait que je reprenne un peu. En tout cas, j'ai pas de soucis avec les contrôles, ça c'est bien. C'est pas comme Project Zero, où là j'ai fait la vidéo cet après-midi de la partie 8, je crois, et où j'ai galéré comme un sac. En même temps, les contrôles sont vachement rigides, comparé à Splatoon qui est vachement fluide, vachement agréable. Et puis bon, j'ai aussi beaucoup plus joué à Splatoon quand même qu'à Project Zero. Hein. Splatoon, je dois être à 90 heures de jeu, Project Zero, je dois être à 6. Donc forcément, on veut. Oh, c'était dangereux, je sais pas qui est mort de leur équipe. Bah alors le gars il est venu, il avait une envie. C'était de se suicider. Il est où? What? Bah attends, il est où? Il était pas descendu? Oh! Oh, mon petit Vector, bah dis donc. Oh putain, attention à ça. Hop, inefficace, je suis tout de suite là. Et c'est repas. Hop. Attendez, j'ai du double. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il est où le trou de balle? Allez, monte! Oh purée! Non! J'ai tenté une petite esquive là, je sais pas si vous avez vu en me mettant dans ma peinture, mais non. Et pourtant, c'est Gamer Vivi et j'aurais bien aimé le tuer parce que ça aurait fait genre. Mais pourquoi ils ont mis un truc là? Ils se sont bien plantés! Ils ont mis un sonar à la base. Ou alors c'est peut-être pour aller dans la base ennemie et puis revenir sans dégâts. Ah, c'est fort pour. Oh purée! Oh, vas-y, il va faire que ça, il va camper. Ok. Ah mais c'est pas Gamer Vivi en plus, c'est qui? C'est Kiki. Kiki. Ah il était pas là. Ah remarque, il y a peut-être eu une déco. Kiki, ça me dit rien. Quand j'ai fait les présentations des gens. Ah ouais. On a dû avoir une déco. Ou alors quelqu'un a laissé sa place, mais ça m'étonnerait parce que c'est en deux parties seulement. Bon alors attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un peu le terrain, bordel. Il y a quelqu'un derrière moi. Oui, non. Peut-être. Un autre jour, dans une autre époque, une autre galaxie. Est-ce que je peux jeter un truc? Ah putain, c'est... oh là là! Ah l'enfoiré! Qu'est-ce qui se passe? Tiens! Moi je reprends ta zone! Et là, je t'envoie ça là. C'est cadeau. C'est de la part du vieux poulpe. Le vieux poulpe qui n'est pas encore à la retraite. Le vieux poulpe qui veut continuer à combattre avec ses alliés. Eh, mais dis donc, on est plutôt pas mal dans leur base là. Oh purée, hey, Gamer Vivi, mais il est partout! Et comment il savait que j'étais là? Il y a peut-être un sonar. Ah c'est marrant, quand je regarde leurs compétences, j'ai pas l'impression que les mecs ils soient... Je vois par exemple mon ami Mario Tester. Quelqu'un là, non, c'est sûr. Putain de... ah! Il y a quelqu'un là. Hop 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 hop! Non mais oh, on n'a pas le vieux poulpe comme ça, hein. C'est pas au vieux poulpe qu'on apprend à faire, à faire la grimace comme on dit. La célèbre expression des années 1800. Moins connu que le singe, hop, ça chez eux. J'aurais peut-être dû attendre. Un peu. Attention, il va descendre. Il va descendre, c'est sûr. Non. Bon, je m'en fous, je reprends ta zone. Hop. Yes, ça c'est pas mal du tout. On est bien chez eux. Ah,
purée, j'aurais peut-être dû repeindre de la merde chez eux. Ah non. On a fait deux belles entrées chez l'un et l'autre, mais je pense que c'est eux, là. Là, pour le coup. Ah ouais, près de 10% quand même, hein. Ouais. Ouais, si, ils ont quand même fait une plus grosse percée chez nous. Oh, tant pis. Ah, mais on a une déco. Bah, c'est bon, on a gagné. On a gagné, tout va bien. Eh, 916 points et 1100 pour je sais pas qui. Sans avoir gagné, c'est bien, hein. Sans avoir les 300 points de le petit pont et sturgeon. Sans avoir les 300 points de victoire, franchement, j'ai envie de dire, on n'a pas chômé. Mais c'est sûr que quand il y a une déco, eh, voilà, c'est Hugo qui a pris la place de Super Mario, Théo, The SL, que sais-je. Oh yeah, welcome to the pont et sturgeon. Je l'ai fait quelques fois, mais pas beaucoup. Honnêtement, c'est vrai que j'ai beaucoup fait les premiers stages. Forcément, j'ai joué la majeure partie du jeu au tout début, donc c'était quand il y avait encore peu de stages. Mais voilà, c'est bien au moins, ça ne les fait pas les redécouvrir non plus, mais ça fait comme si je découvrais un peu des maps, contrairement à d'autres qui ont des centaines d'heures de jeu. Oui, d'ailleurs, je parlais de mon ami Mario Tester. Lui, il essaye. Alors, je sais plus trop maintenant, j'ai l'impression qu'il est un peu blasé de Splatoon, et notamment du roulement de map, sur certains modes de jeu. Mais je sais qu'il allait voir qui pique et qui donnait des coquillages, là, les fameux coquillages, pour avoir des nouvelles compétences pour ses amis. Mais super régulièrement, il faisait les Splatfest à fond à chaque fois, histoire d'avoir le maximum de coquillages. Oh, pipi ! Tu as liquidé Hugo ! Et ah, merde ! Bon, bah, de toute façon, je l'aurais pas eu. Vu qu'il a mis sa protection, c'était mort. Oui, donc voilà, lui, il essayait d'avoir vraiment, genre, je vais dire une connerie, mais son haut, que de la défense, ou que de la vitesse. Son bas aussi, il essayait d'avoir une cohérence comme ça, et d'avoir énormément d'avantages par rapport à une ou deux compétences. Et ça, je suis sûr que c'est génial, hein. Mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de hasard surtout, parce qu'on sait pas quelle compétence va ressortir du coquillage. Donc bon, bah au final... Il m'a pas vu. Mais... Oh non, non. Oh, il l'a jeté là. Oh, c'est con. Ah, purée. Ça fait deux fois. Je me jette dans la gueule du loup en même temps. Oh, le gamer Vivi. Ah, ça, c'était beau. Ah, c'était beau. Bon, enfin, c'était beau, il l'a pris par derrière, donc... Mais tant que c'est dans mon équipe, c'est beau. C'est considéré comme un beau mouvement. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Oh. Coucou. J'arrive. Oh, bien joué. Dis donc. C'est quoi, là? C'est encore la mine. Oui. Oh, non. Oh, vous avez vu cet échappatoire qu'il a fait? Moi, j'aurais jamais réussi. Hein. Ah. Pokéluffy. Attention, la bataille fait rage. Mais c'est con, la mine, parce que j'aime pas. Je préfère les armes de jet pour l'arme secondaire. Ah, puis là, je peux pas me mettre dans l'angle, sinon je traverse la grille. Peut-être aller vers la gauche, là il y a un peu d'encre ennemie. Comment ça se passe? Bon, on n'arrive pas trop à pénétrer vers chez eux, mais en même temps je... Oui! Oh lolo! Il m'attendait le Pokéluffy, il s'est dit jamais 203. Et eh ben si, ce sera jamais 203. Et là je fais du caca, vite, tire ton truc. Je crois que je l'ai très mal mis, voilà, je l'ai mis là. C'est tout nul, mais bon, au moins je l'ai tiré plutôt que de le perdre. Parce que là je chantais... Non, t'es chez moi, ouais. Mais quoi? Ah purée, j'ai pas eu le temps! Hugo! Il se fout de ma gueule. Il sait très bien qu'il y aura un zoom sur lui. Et il se fout de ma gueule. Très bien, mon petit Hugo. Je vois à quoi tu veux jouer. Tu veux jouer avec ça, avec le vieux poulpe? Tu vas voir. Tiens, déjà, ça... Ça part dans les limbes. Voilà, très bien. Hop. Ah, mon petit Hugo, dis donc, on s'est fait un petit double. Ah, là, tu peux pas te foutre de ma gueule, au moins. Ça se passe très mal pour nous. Ça se passe très mal pour nous. On va même pas réussir à revenir à temps. Allez, je passe ici, tant pis, je vais aller avec mon petit gamer Vivi. Ah là, on a été... Ah ouais, là on a pué. On a quelques grains de peinture jusque dans leur base, mais le centre est trop vert pour que ça passe. Comment ? 8%? Mais non, mais attendez, regardez la map, messieurs, dames. C'est quoi ça ? Je sais pas si vous voyez bien. Et ça, c'est pas une map de gagnant, ça. Deux décos ! Oh là là, ça fait de la place, ça, messieurs, dames. Insister, Sanji 30000 qui fait son grand retour. Non pas que ce soit quelqu'un qui vienne pour la première fois. Tetsu, Hugo, Vector 96 et Kiki. Bon bah il y a eu deux décos, mais apparemment quelqu'un a réussi à revenir dans la salle, dis donc. Vous êtes vraiment vifs les gars quand même. Est-ce que mon équipe a de la gueule? BBTM, Lulu, Hugo et Vector. Hein? Je dis pas que vous êtes nuls encore une fois. Je suis aussi nul que vous. Mais en face, on a des mecs très forts. On a Gamer Vivi, on a Sanji 30000,
Kiki, il avait pas l'air mauvais. Et Tetsu, je sais qu'il est bon. On a... Merde, désolé, autant pour moi. On remarque Sanji 30 000 est en train de faire ses emplettes. En face, j'ai l'impression quand même que ça va être une équipe tendue. Mais on va pas lâcher prise. Peut-être qu'ils vont avoir des décos. Oh, ce bleu turquoise, moi j'aime bien. J'aime beaucoup le bleu turquoise comme ça. Un petit rose bonbon acidulé, c'est très beau aussi. Ça va être un beau match, messieurs dames. Un beau match sûrement très rose. Mais un beau match. Allez, on part pas défaitiste. On se dit, allez, viens mon Victor. Allez, viens, on va lui péter la gueule. Allez, leur péter la gueule en 10. On va mettre leur équipe à mal dès le début. Je vais juste repeindre par là, histoire de nous faire des accès rapides. Et boum ! Sanji 30 000, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as perdu la main ? Eh ben, pas le vieux poum. Hop ! On se fait un petit accès tout de suite. Je crois que Vector est mort, mais bon, ça c'est... C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait la fameuse pub pour le loto. Yo, lolo, Tetsu ! Et de deux ! Oh, Mister Bibi ! Je l'ai pas fait avec l'accent Mister Bibi. Voilà. Oh là ! Non ! Ah non, Sanji 30 000, il a mis tout ce qu'il avait. Ah, regardez ses chaussures, 3 de... C'est quoi le dernier, là? C'était quoi sa compétence sur les chaussures? Sanji, toi qui regarderas sûrement cette vidéo, dis-moi, c'est quoi ta compétence sur les chaussures, là, cette espèce de bulle de BD avec le point d'exclamation? Oh, le con! Ah, il va se foutre de ma gueule. Je sais pas qui est en face, là. Il va se foutre de ma gueule, il m'a vu faire un saut dans le vide. Oh là là, j'ai complètement oublié qu'il y avait du vide quand on saute de par là. Je fais le con, là. Oh, je fais le con. Oh, Gamer Vivi. Oh là, Sanji 30 000. Oh là 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 là, Mister Bibi. Vu que je sais qu'ils vont me voir. Oh, je les mets à mal. Je sais pas ce que fait le reste de mon équipe. Hein. Oh, elle joue bien. Franchement, on a tout le côté droit. Moi, je suis en train de reprendre le côté gauche. Même si je sais que là, va y avoir quelqu'un. Je leur envoie ça en plein chez eux. Je crois que je l'ai mis en plein dans un trou dans l'eau. C'est pas grave. Vous m'en voulez pas, c'est la vieillesse qui fait ça. On les a reclus chez eux. Ça, c'est vachement beau. C'est vachement beau parce que c'est vachement rare. Moi, je reste là. Ah non, ils arrivent. Ah non, non, non. Non, non. Vous savez quoi? Je vais faire mon héroïque. Ils sont par là. Ils veulent nous reprendre de chez nous. Par contre, là, il y en a trop qui retournent à la base. Donc, moi, je vais rester là-bas. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'ils vont aussi essayer de reprendre cet endroit. Oh, mais on les massacre! Pourtant, c'est une équipe de dingue. Bon, il reste une minute. Tout peut changer. Mais là, moi, j'attends. Non. Oh putain. Ah oh, le con. Ah oh, le con. Puis il y va. Il y va, il y va. Il y va, mais il sera sûrement accueilli par mon équipe. Je leur fais confiance. Je préfère repeindre ici. Histoire de garder l'avantage qu'on a dans leur base. Parce que ça, c'est un avantage décisif. J'envoie ça chez eux. Boum. Peut-être qu'ils m'ont vu. Je sais pas. Je suis tendu, ça se voit. Sa première session de Splatoon filmée, me semble-t-il, sur la chaîne. Bah voilà, il faut une première fois à tout. Oh, oh, Gamer Vivi! Tu m'as pas eu. Je t'ai eu 3 fois, je crois. Ou 2. Allez, go. Tête de veau. Ah, on est bon, même s'ils reprennent un peu le côté droit. Attention, là, il y a Gamer Vivi, il va venir en dernier recours. Il va se dire, non, un peu de peinture partout. Oh, lolo. Et comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais dire jamais. La branlée. Ils ont réussi à prendre vite fait à la fin. Mais là, 60% contre 34, alors que c'était une équipe de dingue. Les mecs, vous avez aucune excuse. On a roxé, GG l'équipe. Ah merde. Ah putain. Ah ouais, mais ça c'est... Non. Je suis deck parce que les gars, ils vont se dire, bah ouais, mais regarde, il nous manquait un mec. Et je me suis excité pendant toute la partie, alors qu'en fait, il leur manquait un coéquipier. Ah, c'est con. Il y a beaucoup de déco, hein. Dis donc, ça me surprend. Alors, est-ce que quelqu'un s'est rajouté? Est-ce que c'est le même qui est venu? Bah ouais, c'est toujours les mêmes noms. Donc ils doivent se déco puis revenir tout de suite derrière. Je sais pas comment ils font. Pourtant, je pense qu'il y en a d'autres qui essayent d'insister, mais je sais pas, ils arrivent pas à passer.